Mais on va entendre pour que les compétiteurs aient le choix d'ici. Alors, je vous rappelle que Patrick Corbeil est le premier à s'exécuter dans le 100cc. Ensuite, on va voir Jean-François Larouche en préparation et Jocelyn Caro, deuxième préparation. Secondes, 20 centièmes pour Patrick. Et tantôt, oui, j'avais mis Jean-François Larouche en préparation et c'est mon erreur. C'est M. Sébastien Collard qui est le prochain à s'exécuter. Oui, Jocelyn Caro en préparation. Marco Vallière en deuxième préparation. Dans le 100cc stock, 100cc bûcheron. On dit bûcheron parce que c'est ici qui peut être passé à jour de long acier. Cinq secondes, 78 centièmes pour Sébastien. Jocelyn Caro, Marco Vallière en préparation. Brendan Boucher en deuxième préparation. Secondes, 97 centièmes pour 3-13, c'est très rapide pour Jocelyn. Marco Vallière en préparation. Secondes pile pour Marco, Brendan Boucher, Vincent Vallière en préparation, Paul Vallière en deuxième préparation. Secondes, 90 centièmes, le nouveau leader, M. Brendan Boucher, Vincent Vallière en préparation, Jean-Paul Vallière et André Bédard, deuxième préparation. Secondes, 13 centièmes.
pour Vincent. Jean-Paul Vallière, André Bédard en préparation. Richard Saint-Amand, deuxième préparation. Vous savez, la gang, le mois prochain, on va en avoir une autre compétition de CHM dans le cadre des Fous du Pick-up Sainte-Rose de Poulary. On va aller s'amuser, on va aller découper du bois là-bas aussi. Vous voulez venir voir ça, essayer ça. Sensation forte garantie. Vous allez voir tantôt, mais qu'on sorte les si apparents stocks. De juste là, on va avoir des frissons. Après ça, ben, on va sortir les modifiés. Ça va être très impressionnant. Voir d'ici près de 50 forces amateurs. Alors, c'est parti pour M. Jean-Paul. Pour M. Jean-Paul, oui. 5 secondes 05. Monsieur André Bédard. En préparation, Richard Saint-Amand et Bertrand Picard, deuxième préparation. Monsieur André a fait 5 secondes 44 centièmes. Alors le prochain s'exécute, oui, Richard Saint-Amand. Bertrand Picard en préparation, Michel Veillette, deuxième. Très belle coupe pour Richard. 4 secondes, 48 centièmes. C'est Richard qui obtient la pole position avec 4 secondes, 48. Bertrand Picard et Michel Veillette en préparation. Michel Troussier, deuxième préparation. Secondes pile. On attendait des fractions, mais on n'en a pas. On poursuit avec Michel Veillette, Michel Cloutier. En préparation, Sylvain Tremblay, deuxième préparation. Dans le sens étude. Secondes 52 centièmes. Oh,
m'aide un peu pour Michel. Les 4 secondes, 50 centièmes. Sylvain Tremblay, Laurent Tremblay en préparation, Pascal Leclerc, deuxième préparation. Malheureusement, on a disqualification de la part de Sylvain. La roue, oui, le biscuit n'était pas complet. On poursuit avec Laurent Tremblay, Pascal Leclerc en préparation. Pascal Collard en deuxième préparation. Ça va bien, on achève la gang. Il reste 6 compétiteurs. 5. Wow, super bien noté. 4 secondes 70 centièmes. On poursuit avec Pascal Leclerc, Pascal Collard en préparation, Brian Caron en deuxième préparation. On sent dans des beaux gilets de couleur CHM avant ici. Au bout de 20$ chaque. Encore une fois, il y a des bons pilotes. 4 secondes 55 centièmes. On poursuit avec Pascal Collard, Brian Caron en préparation, deuxième préparation, M. Denis Vachon. Et le quatrième, le dernier dans la place sans cesser, ça va être Clément Picard. Après ça, il va rester le 120 cc. Un petit coup de siop, on sort les brillants. Secondes 95 centièmes pour Pascal Collard. Il en reste 3. Brian Caron, Denis Vachon, Clément Picard. Dans l'ordre, dans le 100 cc. Temps de 4,98. Très belle coupe. Allez,
pour Denis, on a un temps de 4,94. Et tantôt, je m'étais trompé, j'ai dit Bertrand Picard, et non, c'est Clément Picard qui va terminer le bal dans le 100cc. Ensuite, dans le 120cc, on va débuter avec Denis Vachon, Brian Caron et Pascal Leclerc dans le 120cc. Notre dernier compétiteur, non le moins, M. Clément Picard, dans le 100cc Boucheron. On est toujours dans l'Atlas Boucheron. Dans un lit de 30. Malheureusement, bien essayé de le mettre, les chronomètres ont arrêté à 3 traits et qui était pas bon. Ils ne savaient pas que t'allais faire 4. Il n'a pas voulu tomber. Alors les gars peuvent sortir le 120cc, les réchauffer. Et les gars, ben, on va s'exhumer les 3 premières positions dans le 100cc. Alors, la première position, M. Richard Saint-Clément avec un temps de 4 secondes, 48 centièmes. Michel Cloutier obtient la deuxième position avec un temps de 4,50. Très serré avec Michel Veillet qui a fait un temps de 4,52 pour la troisième position. Vous voyez, 4 centièmes séparent les trois premières places.